La pandémie atteint un point critique avec des infections qui croissent de manière exponentielle, avertit lundi l'OMS, selon laquelle la COVID-19 pourrait être maîtrisée en quelques mois si les bonnes mesures étaient prises. Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie. La trajectoire de cette pandémie est en train de monter. Pour la 7e semaine consécutive, nous avons eu plus de 4 400 000 nouveaux cas signalés la semaine précédente. Si vous comparez cela à l'année dernière, nous avions environ 500 000 cas signalés par semaine. La semaine dernière, nous avons enregistré 4 400 000 cas. Si vous consultez notre site web et que vous regardez l'épicurve et la trajectoire de la pandémie en ce moment, vous verrez qu'elle croît de manière exponentielle. Ce n'est pas la situation dans laquelle nous voulons être 16 mois après le début d'une pandémie. L'OMS alerte sur le fait que la semaine dernière, le nombre de cas a progressé de 9% dans le monde, tandis que les décès ont augmenté de 5%. Nous avons maintenant connu 7 semaines consécutives d'augmentation des cas et 4 semaines d'augmentation des décès. La semaine dernière, nous avons enregistré le 4e plus grand nombre de cas en une seule semaine jusqu'à présent. Le directeur général de l'OMS a rappelé une fois de plus que les vaccins étaient des outils vitaux et puissants, mais a appelé les États et la population à suivre encore et toujours les mesures qui fonctionnent. Distanciation physique, masque, hygiène des mains, ventilation, dépistage, recherche des contacts, isolement et quarantaine.